Claude Léveillé est une grande révélation parmi les compositeurs. Il est très rare que je mette à mon tour de chant plusieurs chansons du même compositeur. Et en dehors de Marguerite Monod, je dois dire que cela n'arrive jamais. Pourtant, je vais avoir dans mon nouveau tour de chant à ma rentrée à l'Olympia 4 ou 5 chansons de Claude Léveillé qu'il a faites à Paris pour moi. Je suis sûre qu'il a un très grand avenir dans la chanson et qu'il va étonner beaucoup de gens. Je ne me suis jamais trompée et je suis certaine de ne pas me tromper sur lui. Il a une personnalité et vraiment je peux dire dans les 4 ou 5 chansons qu'il m'a faites, pas une seule ne se ressemble. Et je vais même beaucoup plus loin. Je le crois capable de faire de grandes choses. Je lui ai suggéré d'ailleurs de m'écrire une comédie musicale, car j'ai très confiance en lui. Je suis sûre qu'il ira très loin. J'en profite pour envoyer mes amitiés à tous les compositeurs et auteurs canadiens. Au revoir et à bientôt le plaisir de retourner au Canada. Un piano est mort et celle-là l'aimait. Quand elle était jeune et quand elle venait se saouler le dedans de pathétique. En se frottant au piano nostalgique qu'il était beau le piano, bon piano, vieux piano des copains, à l'époque des copains chez Bianco l'Argentin vers 3 heures du matin quand elle buvait son demi-doubli et seule maintenant elle pense au vivant de ce vieux piano mort. Elle voit, elle entend les messes de Saint-Vincent tomber d'un accord. Au bar, quand elle boit, c'est vrai qu'elle revoit des mains sur l'ivoire blanc. Les mains de Bianco, des mains qui lui font cadeau d'un peu du vieux temps. Mais dans son jean, un fantôme en blue jean, un deuxième et puis 20 qui discutent en copain d'un bistrot démodé, d'un piano démodé. Elle a crié, moi je sais, elle va raconter l'histoire enfermée dans le vieux piano mort. Et c'est l'aventure qui bat la mesure de plus en plus fort. Au clair de la vie, les mains des amis, les yeux des lendemains. La vie devant nous, l'amour et tout et plus rien. Ils sont tous morts au milieu d'un accord. Ils sont morts dans Ravel, dans un drôle d'arc-en-ciel. Un soldat est entré, un soldat est entré. Un piano est mort. Et celle-là l'aimait. Quand elle était jeune et quand elle venait se saouler le dedans de pathétique. En se frottant au piano nostalgique.